C'est dit. Oh putain. C'était le père du gardien qui est venu sur, le terrain. Mm-hmm. Et le père du gardien, c'est le coach Jarlison du 18. Quatrième. Et voilà. Il a fait la passe. Je ne l'ai pas vu. Oh, il veut dire. C'est qui fait les articles. Laurent. Oui. Laurent, il en a. Non, pas Laurent. Hubert. Laurent Huquet. C'est le... Jean-Luc qui stresse. Quel Jean-Luc? Ouais. Kleinmann. Ouais. Il est où lui? Il est pas là. C'est Berto, c'est celui qui met au-dessus, celui qui rate, je crois, c'est le 10 là. Qui tire sur le MD. Oh le con! Oh putain! C'est le gardien vient d'où? Oh le con! Nicolas. Moi j'ai mis ça. Il est Nicolas, non? Là-bas. Il vient de rentrer. Il tire bien les coups francs? Ouais. Mais dis-y! Oh! Oh. Il fume pas, ça finit en jambon. Allez! Non! Comment tu fais? En tout cas! Guizy, t'es réveillé. Ouais, Jean-Luc. Toujours 2-1 pour Shifty Game. Toujours 2-1 pour Shifty Game. Et puis, il reste 5 minutes. Ouais. Attends, tu... Attends. Oh, oh, oh. Eh ben, 3-1. Ben voilà. 3-1, ça y est. Bon, Guizy. Salut. Et 3. Ouais, Oh,
Avec nous, le coach de Chilic, José Guerra. José, une belle victoire ici, on sent elle fait du bien. C'est la sixième en plus, Chilic est sur une bonne dynamique. Oui, je crois que c'était important de montrer que la coupure de la trêve nous a pas permis de baisser en intensité. Je crois qu'on avait des objectifs sur cinq matchs qu'on a brillamment remportés. Et là, on partait sur une autre série, c'est-à-dire sur les quatre prochains matchs avec trois déplacements et trois équipes du top 5. Donc ça nous tenait à cœur parce qu'à chaque fois qu'on a été au pied du podium, on a raté tous ces matchs-là. Et aujourd'hui, en dehors du fait que c'est un derby, parce que moi, que ce soit Agnew ou une autre équipe, ça ne change rien. Ça fait du bien parce qu'on a, pour une fois, on a pas raté cette marche qui nous permet d'être à la troisième place. Quoi. On a sorti demi-temps contrasté. La première, largement dominée. La deuxième, par contre, c'est plutôt Agnew qui a 5-6 occasions. 5-6, j'ai envie de dire peut-être pas. Les plus grosses occasions, c'est nous qui les avons eues quand même, notamment durant cette première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, il y a eu 2-3-0 et BD sur 2-3. Voilà, je pense qu'une fois de plus, on peut faire la différence. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a les opportunités en premier, on encaisse ce but, on a la force mentale de revenir, de prendre l'ascendant dans la maîtrise, parce qu'on a maîtrisé complètement à ce moment-là, et revenir à un partout, mener 2-1. Et faire le dos parce qu'on savait qu'ils allaient jouer leur va-tout. C'est une équipe qui vous oblige à reculer, et ils nous ont obligés à reculer en deuxième mi-temps. Et j'ai attendu le plus longtemps possible avant de faire mes changements pour apporter un peu de fraîcheur dans les 20 dernières minutes. Et c'est aussi ce qui nous a permis, grâce à ces joueurs qui sont rentrés frais, de garder plus de ballons et de mettre ce troisième but qui nous tranquillise un peu sur les dernières minutes. Quoi. Vous êtes sur le podium ce soir? Oui, ouais, je pense que c'est important, mais c'est pas une fin en soi. Je crois qu'on est très très loin des deux équipes devant, donc pour l'instant on va pas tirer des plans sur la comète, mais on va surtout savourer cette sixième victoire, et je crois qu'elle était importante. Mes garçons font preuve de beaucoup d'humilité, et ça je tiens à ce que ça reste comme ça. Et si aujourd'hui on a gagné cette sixième victoire et à Agnew, c'est parce qu'on a mis beaucoup d'humilité dans ce qu'on a pu faire par le passé. Merci José. Merci. Allez, ben on fera forcément l'interview des deux frangins. D'un côté, c'est le sourire, de l'autre côté, c'est la soupe à la grimace. Aujourd'hui, ben, la victoire, c'est pour Dylan. Dylan, un petit mot sur cette victoire qui fait du bien pour Chilic. C'est clair qu'elle fait du bien, surtout qu'on continue notre série de matchs avec victoire, 6 victoires d'affilée. Surtout à l'extérieur, ici à Agnew, on était mal partis en début de match, ils ont marqué rapidement. Mais justement, inconsciemment, je pense que ce but-là nous a fait du bien au niveau dans le jeu. Puis là, on s'est réveillé, on a réussi à mettre deux buts avant la mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, c'était plus compliqué. C'était clair qu'ils allaient pousser, mais on n'a pas craqué. On a réussi à mettre un troisième but sur contre et c'était parfait, résultat parfait pour nous. Jouer une première mi-temps complètement ratée du côté du FRH, quasiment zéro action. Chilic mérite de mener 2-1 à la mi-temps. Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui à Agnew? Qu'est-ce qu'il a manqué? Déjà physiquement, on n'était pas au top. Par entraînement, on voit qu'il y a une baisse du régime, personne n'est vraiment des efforts. On a vraiment mal préparé ce match-là, contrairement à Chilic qui a pris beaucoup d'infos sur nous. Et physiquement, ils sont vraiment au top. On le voyait, ils nous pressaient, ils nous cherchaient haut, on n'arrivait pas à ressortir, on n'arrivait pas à faire trois passes d'affilée. C'était vraiment nul, quoi. Après, en deuxième mi-temps, on a un peu rectifié le tir, mais ça n'a pas suffi, on joue un peu à l'arrache. Chacun essaie de faire un peu son numéro, au lieu de jouer simple et de faire de bonnes choses. Ça n'a pas été bon aujourd'hui. Tu as plus d'humilité hein, du côté de Chilic, je pense. C'est une claque qui va certainement faire du bien à Agnew. Je pense bien, oui. Il faudra commencer à retravailler correctement parce que ces derniers entraînements, comme dit, il y a trop de relâchement et il faudra commencer à physiquement travailler et monter un peu plus. La charge de travail parce qu'on était vraiment à la rue physiquement. Joël, tu nous disais que si ton frère partait au but, tu serais prêt à le tacler. Dylan, je crois qu'on t'a pas vu devant le but aujourd'hui. Ah, moi, je suis plutôt resté devant mon but en fait. J'ai pas trop désonné, je suis resté en place et on n'a pas eu l'occasion de se croiser sur le terrain, c'est bien comme ça. Par contre, les parents étaient là, je pense que c'est une belle fête pour vous deux aujourd'hui, non? Ouais, bien sûr, ouais. Ils étaient là. Ils n'avaient pas de préférence de toute façon, que les meilleurs gagnent. Ça s'est montré sur le terrain, les meilleurs à gagner, c'est comme ça. Bon, les gars, vous allez refaire le match ce soir un petit peu, non? Ouais, je pense qu'on va quand même discuter du match, c'est clair. Autour des repas de famille ou quoi que ce soit, ça va être marrant. C'est bien, maintenant, le match est fini et on va passer à la suite.
Bah, marrant, à mon avis, c'est plus pour toi. Exactement. Je suis pas... ce que j'allais dire, c'est pas marrant. Non, après, voilà, c'est le foot. Hein. Ils ont gagné, ils ont mérité de gagner. C'est la mérite qui a gagné. Il n'y a pas photo. Et bon, on finira par ça. Merci Joey, merci Dylan. Merci. À bientôt. Merci. Allez, on a que Pierre EBD. Pierre, tu as encore fait un gros match aujourd'hui. Tu as retardé l'échéance plus possible. C'est une petite claque pour Agno quand même. Ça fait mal cette première défaite. Ouais, ben, c'est une première défaite à domicile. Dans tous les cas, ça devait arriver. Mais ça arrive quand même, on va dire, pas au bon moment. Parce que c'est la reprise, c'est la nouvelle année. Il fallait bien commencer, surtout à domicile. Mais étant donné qu'on n'était pas prêt, on ne peut pas faire de miracle. C'était normal, quoi. Les autres en face, l'équipe en face, le Chili, qu'ils étaient prêts par rapport à nous. Ça fait que, automatiquement, c'est le football. C'est le meilleur qui devrait normalement gagner. À certains moments, quoi. Pas tout le temps, mais aujourd'hui, on a payé, quoi. C'est ce qui ressort, hein, Pierre. On a senti, bon, il y a les victoires. Et avant la trêve, il y avait les victoires, tout allait bien. Mais on disait déjà qu'il y avait un petit relâchement avant la trêve. C'est un peu la consécration de ce relâchement aujourd'hui. Hein. Oui, c'est normal, parce que si déjà à l'entraînement, on n'est pas à fond, ça veut dire que petit à petit, en match aussi, on va commencer à tirer un peu la langue. Parce qu'au début, on était bien, tout le monde était frais. Maintenant que la saison commence un peu à attendre vers la fin de la première partie, ça commence à être difficile, les terrains sont gras, le temps, il fait froid et tout. Et nous, on n'a pas eu la chance de faire des séances pendant les fêtes. Parce que moi, je pense que si le groupe a envie de faire quelque chose de plus, même pendant les fêtes, il fallait qu'on s'entraîne, quoi. Mais bon, là maintenant c'est trop tard. Il faut regarder vers l'avant et garder les bonnes choses. Le groupe, on sait, a de la qualité. Il va certainement falloir une grosse discussion tous ensemble de savoir ce que vous voulez faire, vous remettre en question. Cette année, on est aussi promu, hein, faut le rappeler quand même. L'année est belle. Il faut peut-être garder le positif pour commencer à construire l'année prochaine quelque chose avec ce groupe. Oui, c'est vrai qu'on est des promus, mais on a un groupe de qualité. Alors, comment faire pour tirer au maximum la qualité qu'il y a dans ce groupe-là? Parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On a joué déjà, je ne sais pas, 12 matchs ou 11 matchs. Il n'y a qu'Auxerre qui nous a réellement mis en difficulté. Aujourd'hui, on a marqué dans nos buts. Aujourd'hui, on a mis en Chili qu'on les a, je ne sais pas, comment dire, aidés à gagner ce match. Parce qu'on n'était pas bien, on n'était pas prêt, et puis on a passé le temps à bavarder au lieu de se concentrer, étant donné qu'on n'était pas prêt déjà physiquement par rapport à l'adversaire. Je pense qu'il va falloir que chacun essaye de se remettre en question et essayer de tirer au maximum la qualité qu'il y a dans ce groupe. Merci de la saison. Merci. Ok, merci. Allez, on est avec Philippe Knobler, donc le coach de Ferrage. Philippe, c'est un soupe à la grimace, ça fait mal cette première défaite à domicile. Oui, bien sûr, enfin, les attentes arrivent un jour. Hein. Après, que ce soit un derby ou pas, c'est pour 4 points et c'est une défaite. Hein. C'est vrai qu'on n'est jamais content de perdre, loin de là. Après, voilà, je pense, je répète, c'est vraiment compliqué les joueurs, directement, c'est pour amener la situation dans laquelle on se retrouve. Je trouve qu'on joue de manière un peu disloquée, où on n'est pas suffisamment coupé, où on ne fait pas suffisamment les efforts les uns par rapport aux autres et tous ensemble. Bon, voilà, après, petite pause pour en effet, même si Chili a été bon, je trouve, en première mi-temps, et en fait, c'était légitimement, certainement, en deuxième mi-temps. On aurait pu, en accélérant un peu, mais là aussi, on n'a pas été capable de le faire, certainement au moins égaliser. Maintenant, voilà, c'est bravo à Chili. Je pense qu'on a du pain sur la planche, ou à se remobiliser et à faire preuve, à travailler davantage, à faire preuve d'humilité. Bon, voilà, c'est une leçon. Maintenant, on a été venu à Auxerre, on n'a pas su retenir la leçon. Parfois, on a beau dire les choses, hein, on entre dire et à un moment donné, malheureusement, si on n'est pas prêt à l'entendre nécessairement, ben, on n'arrive pas à rectifier le tir. Mais je répète, c'est pas une fin en soi. On a vécu une belle période. Maintenant, on a un endroit.